Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors aujourd'hui, on va faire notre ligne, on va mettre tout ce qu'il faut dessus, quoi. Donc la signalisation, en l'occurrence. Et donc, on va commencer maintenant, tout de suite. Alors, clac, on met un carré ici. Et on va mettre des petits sémaphores maintenant. On va en mettre pas mal, hein, parce que... Je sens venir gros comme une maison le fait d'avoir une ligne là ici. Je sens qu'ici ça va fonctionner mais que du tonnerre. Hop, hop, avant le tunnel. Je sens qu'on va avoir beaucoup de trafic et tout, donc que ce soit du trafic fret ou du trafic voyageur. Tu vois, ici on peut fabriquer du carburant par exemple. Enfin, il y a des trucs à faire ici. Donc, il y a beaucoup d'écart entre les deux là. Non, ça va. Honnêtement, ça va. Ensuite, à la gare. Ah oui, putain, oui, il y a la gare ici à refaire ici. C'est vrai que j'ai pas pensé à la fin du dernier épisode. Bah, vu que l'épisode faisait 44 minutes, j'ai dit bon, on va peut-être se calmer un peu quand même. Mais là, on peut terraformer. Et voilà. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on continue à mettre nos signaux maintenant. Hop, hop. 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 Ah merde. Hop. Hop. Clac. Ensuite. Hop. 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 Alors ici, ça va être des carrés. Donc clac. Ensuite, un carré de sortie ici. Un carré pour empêcher la traversée ici. Un carré avant le passage à niveau ici. Un carré ici. Est-ce que j'en oublie un? Oui, ici. Voilà. Est-ce qu'ici j'ai mis en TJD? J'ai pas mis en TJD, je crois. Non. Donc oui, il faut une TJD. Ok, là on est pas mal. Là on est bien. Et donc, on continue. Là maintenant, ça va être de nouveau des sémaphores. Qui du coup, n'interdisent pas le redépart. Qui sont franchissables. Même au rouge. Mais à toute petite vitesse. Le passage à niveau de la voie verte. Ah, pour l'instant, il y a vraiment... Ça s'installe pas pour l'instant ici. Hein.
Est-ce que mon pari va fonctionner? Je sais pas. On va voir. Je vais essayer de d'amener les transports en commun par là. Je vais essayer des trucs. Et après, on a le passage à une voie. Est-ce que j'avais mis... Est-ce que j'avais fait des voies de croisement ici? Non. Parce que je pense clairement que les trains vont s'arrêter ici et après, il y aura un changement. Parce que l'autre s'est déjà bien embouteillé. L'autre est déjà bien embouteillé, donc on s'arrêtera ici. Hein. 100 km/h. Hop, on va mettre un carré. Ici. Et c'est bon. Donc on a mis la signalisation sur la ligne. Et on va pouvoir créer la ligne, mais on va pas mettre encore les trains parce qu'il faut d'abord que je desserve. Comment ça s'appelle? Je suis en train de chercher mes mots. Transport en commun dans les villes. Parce que sinon ça va pas fonctionner. Hop. Hop. Et la ligne est déjà assez longue, tu vois, pour pas que j'en rajoute encore de la longueur sur une ligne en commun, tu vois. Donc avant d'arriver par contre, hop, tu passes ici. Et donc après ça, tu reviens ici. Tu passes ici. Ah putain, non mais... Oh le jeu des fois... Voilà. Non mais en fait là il voulait me faire je lui dis tu passes à un signal, ok. Et qu'est-ce qu'il fait derrière? Bah en fait il essaye de prendre l'autre voie il essaye de prendre une autre voie quoi. Il essaye de prendre la voie à l'envers. Et regarde, non mais sérieusement. Donc après Villepinte, maintenant après l'autre 2, on passe ici. Attends, je recommence. On va recommencer. En plus, il y a un bug quelque part là. Ah non. Donc, en fait, le bug venait de mon truc. Ok. Je pensais qu'il y avait un bug, un train quelque part qui bloquait. Donc, on part d'ici. On va passer cette voie là. Ok. Ensuite, on passe ce signal-là. Pour passer cette gare-là. Cette gare-là. Cette gare-là. Et cette gare-là. Il arrive encore à arriver à l'envers. Donc avant d'arriver ici, tu passes ici. Voilà. Après la gare numéro 8, c'est la 8, c'est ça? Ouais, 8. Après l'arrêt, le point de passage numéro 8, tu passes là. Tu passes là. Voilà. Je vous parie qu'ils vont encore trouver le moyen de retraverser. Tu passes là. Là-bas, oui, c'est bon, il y a bien deux passages. Ouais, c'est bon. J'ai un petit doute. Ah non. Non, bah, vous voyez, là, j'aurais perdu.
Si j'avais vraiment parié. On passe là. Ah si. Si si, il a trouvé le moyen. À quel endroit il a trouvé le moyen? Voilà. Là je lui ai dit de passer là, donc du coup il avait trouvé le moyen. Je suis sûr de passer par une aiguille par là, tu vois. Non mais... Et donc là on finit là. On passe là. On se remet bien sur deux voies pour arriver ici et c'est bon. Ok, là c'est bon. Et donc c'est de Villepinte à... Je connais le nom de la gare de départ, donc du coup je m'en fiche. À Ballon-Miré. Donc c'est Villepinte. Jusqu'à Ballon-Miré. Donc il n'y a pas de... Ok. On va faire maintenant les transports en commun dans les villes. Parce que bah pour l'instant il n'y a rien. Oui, le temps est en marche, c'est bon. Donc on va commencer par ici, hein. On va faire dans le... On va remonter la ligne petit à petit. Donc en vrai je pense qu'on va partir d'ici par un petit arrêt genre ici là. Alors j'ai pas envie de me mettre en bout parce que sinon ça bloque le développement de la ville. Donc on va se mettre genre ici, tu vois. Et par la suite, donc, on passe devant la gare. L'arrêt de la gare. On vient passer ici. On vient passer ici. Ah putain, il y a deux branches qui se séparent et qui ne se rejoignent pas. Est-ce que ces deux-là, je peux les rejoindre ? Oui, donc c'est bon. Parce que là, ça me faisait chier, clairement. Faut être honnête avec ça. Donc on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va faire un passage ici. Et... Ben non, ce sera la gare terminus ici. Ce sera le terminus. En demi-tour. Donc, nouvelle ligne. Clac. 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 Par là. Par là. Par là. Hop. Hop. Et ça passe là et c'est bon. Ok. Et donc ça c'est... j'ai déjà oublié le nom de la ville, c'est génial. Rue de la Victoire, non il n'y a pas le nom de la ville de marqué. Ligne 2 c'est B1. Ballon. Miré. Ok. Ensuite, ici, on va remettre. Ici, on va partir d'ici, je pense. Ici, on pourrait limite faire un tram, en fait. Je suis en train de me dire. Bon, on va faire un petit tram. Allez, j'ai envie de faire un petit tram. Rue. C'est où déjà pour mettre les trams? C'est là. C'est là. Donc on va partir d'ici. On sort, on descend ici. On passe ici. On passe ici. On passe ici. Ok. Et où est-ce que je peux finir par contre?
Bah là c'est des bâtiments industriels donc je peux les détruire au pire. Et on viendrait finir par ici du coup. Alors maintenant on va mettre les bâtiments. Clac, rail de tram, oui. Électrique, oui. C'est au début du let's play qu'on n'a pas les rames, les trams électriques. On a des trams à vapeur au début. Pour ceux qui auraient peut-être pas vu un début de let's play, bah ouais, au début on a des trams à vapeur. Et après, bah, on passe aux trams électriques. Enfin, non, même au début on a des trams avec des chevaux. On a des trams avec chevaux. Ensuite on a le tram à vapeur. Et ensuite, on a bah, les trams électriques. On va détruire le petit bouquet là. Voilà. On va terraformer pour faire beau. Faire mieux en tout cas. Voilà. Et maintenant, on va placer les arrêts. Alors, on va mettre un arrêt ici. On va mettre un arrêt ici. On va mettre un arrêt ici. Un arrêt à la gare. Enfin, un arrêt proche de la gare. Un arrêt ici. Voilà. Un arrêt ici. Un là. Et là-haut, ok. Nouvelle ligne. Clac. Clac. On passe là, on passe là, on passe là, on passe là, on passe là. Clac et clac. Et donc ça c'est Montmorency. Donc c'est le T1. De toute façon, il y aura juste une ligne, on va mettre comme T1. Montmorency. Ouais, c'est comme ça. Rancy. Ok, il faut mettre par contre un petit dépôt du coup, un dépôt de tram. Où est-ce que je peux le mettre? Bah, je peux le mettre à côté du terminus. Clac. Voilà. On va juste du coup re-terraformer. J'aurais pas dû terraformer tout à l'heure parce que du coup j'ai perdu du temps en fait pour rien. Voilà, parfait. Là c'est bien. Bah du coup on peut lancer ici tout de suite. Hein. Alors, acheter véhicule. Et après il restera plus qu'une ville à desservir. On va prendre soit celui-là qui roule à 60, soit celui-là il roule à 70, c'est pas mal. Mais bon, de toute façon, 27 de capacité, 27, 35 de capacité. Bon, on va prendre celui-là. Il roule moins vite, mais il a plus de capacité. On va en prendre 6. Hop. Et aller sur T1 Montmorency. Voilà. Me dis pas qu'ils vont tous aller du même côté. Alors il y en a un qui va par là, ok. Ah bah bien sûr. Mais voyons. Ah oui putain, mais non, en fait ils sont... Putain, je croyais qu'ils étaient pas en... Enfin si, je me doutais qu'ils étaient en unité multiple. Mais enfin au début je pensais qu'ils étaient en unité multiple. Après quand j'ai vu, je me suis dit bah non, en fait ils sont pas en unité multiple parce que... Oh, par contre les attelages, ouais bon. Hein, voilà. Ouais non, c'est pas adapté. C'est pas adapté. C'est clairement pas adapté. Ligne visible.
Ils sont pas adaptés en unité multiple, on peut pas mettre d'unité multiple ici. Lui il en prend 20. Ou alors il y a lui qui en prend 27. On va mettre lui plutôt. Parce que le truc c'est que les autres n'étaient pas adaptés en unité multiple. Mais là du coup ouais, puis ceux-là ils sont bien aussi. Pour l'instant on n'a pas encore les nouveaux donc c'est très bien comme ça. Bon on va continuer du coup hein. On a 20 minutes ouais. On a 20 minutes. Et je pense qu'on finira par un petit tour en cab hein, pour visiter la nouvelle ligne. Et ici bah, par contre ça va être un tram. Pas un tram mais un bus. Alors. Ah oui non c'est pas la dernière non. Il y a encore l'autre. La dernière c'est... c'est celle avec... c'est la petite... l'autre côté de la rive en fait. Faut que je le fasse aussi. Faut que je le fasse aussi pour aider à essayer de développer. Alors. On passe ici. On vient faire un arrêt à la gare. Ensuite... On vient passer ici. On vient passer auprès de l'eau. On vient passer là. Et on vient terminer. En vrai, non, en vrai, on peut venir terminer ici. Hein. Donc, on va venir terminer ici. Voilà. En fait, je suis rendu compte que mon système en étoile, ça rend pas le truc facile, en fait. Clac, clac. 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 Et clac. Hop et hop. Ok, parfait. Et donc ça, c'est la ville de... Comment ça s'appelle déjà? Commentry. Alors, c'est la ville de Commentry. Donc c'est B1 Commentry. B1 Commentry, ok. Et ici, non c'est pas ici, c'est là-bas. Bah, ici ça sert à rien parce qu'il y a déjà, il y a l'usine par là et tout, ça sert à rien d'essayer de développer. Par contre ici je trouvais ça intéressant, tu vois, donc on va le faire. Et dans tous les cas, même en faisant ça en fait, ça va permettre aux gens qui veulent aller, tu vois, genre là-bas, par là-bas, de prendre le... De venir prendre le train par là, tu vois. Et donc, on va venir passer. En vrai, je pense qu'on va peut-être s'amuser à desservir un peu ce quartier-là. En passant ici, ça va le desservir en partie. Un arrêt à la gare. Un passage ici. Un passage ici. Ici. Et on vient finir. On va finir ici. Quoique, non, on va finir là où on est. Qu'est-ce qu'une bug? Oh, heureusement que j'ai pas encore mis les trains en place hein. Hey, la patience. C'est bon ça. Alors, nouvelle ligne. Oh, j'ai une bonne humeur du coup. C'est bon ça, c'est cool.
Alors, du coup, on passe là. Ensuite, on vient ici. Ensuite, j'ai dit passage à la gare. Bon, je sais, t'avais pas beaucoup d'arrêts pour l'instant, mais bon, c'est toujours ça. Hop, et on vient finir ici. On repasse ici. On repasse à la gare. À la gare, au retour, on passe voie numéro 1. Ok. Ensuite, on repart ici. Et on va finir là-bas. Ok. Et donc ça, c'est B2. B2. Merde, comment s'appelle cette ville? C'est Aloche. Je sais pas comment on dit. B2. Aloche. Ok. Et donc, bah ça c'est bon, on va pouvoir mettre les bus ici. Est-ce que j'ai un dépôt ici? J'avais un dépôt ici ou pas? Non, j'ai pas de dépôt ici, donc je dois l'acheter ailleurs. Je pense que je l'achète... Bah je l'achète ici du coup. Donc pour B2 à Loche. Ou à Loche, j'en sais rien. Passager. On va prendre ça. On va en mettre 4. Ouais, 5. Allez, 5. Ça prend 23 personnes, mais comme c'est elle est relativement longue quand même, c'est plutôt pas mal. B2 à Loche. Voilà. C'est parti. Ensuite, ici. Ici, il va falloir mettre un dépôt, je pense, quelque part. On va mettre un petit dépôt quelque part. Où est-ce que je peux mettre un dépôt? Là, non. Un ici. Allez, ici, ça peut être pas mal. Clac, bâtiment, clac, clac. Voilà, parfait. Donc on va acheter ici, acheter véhicule. On va acheter ça aussi. On va en acheter 6. Acheter véhicule. C'est vrai que je suis pas venu par là, mais ouais, par là il n'y a pas grand chose. Voilà, parfait. C'est parti. Oui, ici, je voulais faire un truc. Parce que sinon, ça va vite devenir le foutoir. C'était... aller dans... c'est là-dedans, je crois. Non, c'est pas là. C'est sûrement là-dedans. Ici, voilà. Et mettre... voilà. Système de feu. Comme ça, on fluidifie. Ça va fluidifier un peu le trafic, ça va être mieux. Et donc, dernier... dernière gare. Enfin, dernier endroit où il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a rien. On va mettre... un petit dépôt en face. Voilà. Acheter véhicule. On va en acheter des comme ça ici. On va en acheter 3. Bon, 4. Allez, 4 ici. Ouais, 4 pour ici, c'est très bien. Et aller sur B1. Voilà. Pour l'instant, ici, on va mettre des dépôts de train. Mais plus tard, il y aura, un rallongement. Pour les marchandises derrière. Donc, ça visera.
Mais là, on va juste mettre des dépôts pour... bah, pour pouvoir envoyer des trains, quoi. Voilà. Hop. C'est quelle voie qui sert? C'est celle-là. Ok. Et donc, acheter véhicule. Il y a un énorme suspense, on est d'accord. Il y a un très grand suspense sur ce que je vais prendre. Toulou, toulou, toulou. 7200? Non. 22200? J'aime bien les 22200. Mais non, ça roule qu'à 160. Mais comment je vous fais un faux suspense? 15 000. J'adore les 15 000. J'adore les 15 000, hein. Mais... ouais, les 37 000 à cette époque, non, pas encore. J'adore les 22 200, hein. C'est fou. C'est complètement... c'est vrai, hein. C'est vrai, j'adore les 22 200. Les 26 000. Mais c'est quoi, ce truc? Non, c'est... ouais, j'adore les 26 000. Mais après, sinon, t'avais aussi les 20 200, les 25 500, que j'adore aussi, tu vois. Mais là, j'ai dit que c'était le paradis des 26 000, tu vois. J'ai dit que c'était le paradis des 26 000. Donc, c'est le paradis des 26 000. Décès. Alors, juste... putain, je me rappelle jamais quel panto. Mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas important dans TPF. On va mettre celle-là. Donc, avec des wagons passagers. Donc, on va mettre des wagons de type Corail Origine qui roule à 200. attends, 200. Et là, ils prennent 22, 15. On va prendre ceux qui prennent 15, hein. 22 plutôt. Alors, clac. Regarde, on a 132 de capacité, 176 mètres, et on est encore en excellent. On vient de passer en bonne. 203 mètres, et on va mettre une petite B6. Comme ça. Même si je crois qu'elles sont pas réversibles. On va en acheter. Je pense que ça a bien fonctionné, mais il y a une capacité de 169. Pour l'instant, on va en acheter 3. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et attention, les gens, pour vos oreilles. Ouais, bon, ça, l'intérieur c'est jamais très bien fait dans TPF, mais waouh. On va réécouter au moment du départ, au moment où on va repartir. On va voir surtout si on va atteindre les 200, parce que c'est une lock qui peut monter à 200. J'ai pas regardé si les B6 pouvaient monter à 200. Ah, mais quel bruit! Ah merde, je suis pas sûr que les B6 montent à 200. J'ai pas fait attention, hein. Vraiment, là j'ai fait de la merde, j'ai pas fait attention. Bon, on va voir. Si les B6 montent pas à 200, on va les virer. Mais on verra. Ah, mais ce bruit. Ah, ce bruit. Et la ligne, elle est belle en plus. Hop. Alors là, le début, c'est une tranchée, mais après, ça va être beau. Hop. Première montée. Et là, on va descendre, on va pouvoir accélérer, même si on va être limité à 100 dans pas longtemps. Vingt-deux.
mais non, c'était 120. Ok, je crois que j'avais mis à 100. Et là, on va réaccélérer maintenant. Voilà, 125. C'est parti. C'est parti. Tain, par contre, j'ai remarqué que j'avais eu des chutes de FPS là. Je sais pas pourquoi. J'ai eu une petite chute de FPS, je suis désolé. J'ai jeté un coup d'œil sur mon écran de contrôle et j'ai vu des chutes de FPS. Je me suis dit, bon, ok. Il y a un ralentissement ici. C'est quoi ce ralentissement? Enfin, je regarde, il y a un bug là, je pense. Moi, je regarde en off. Donc, réaccélération 115, 118. Allez, on accélère. Accélère, mes mères. Allez, bon, on arrive déjà à la première gare. Est-ce qu'on va avoir déjà du monde? Ça, c'est la question. 133, 132. Et voilà, première gare. Ouais, il y a déjà du monde. Comme je suis pas étonné, il y a beaucoup de monde dans le sens où on va là tout de suite, tu vois. Il y a beaucoup moins de monde dans l'autre sens, mais dans ce sens-là, il y a du monde, tu vois. Et je suis pas du tout étonné. Ça, tout ça, ça va à Villepinte, je suis quasi sûr. Je sais pas pourquoi, mais Villepinte, c'est une ville de fou. Ça part en... Il y a plein de monde, il y a plein de monde qui va à Villepinte, quoi. Et je comprends pas pourquoi. On a déjà 20 personnes. Pour un premier voyage, c'est bien. Hein. Pour un premier voyage, c'est génial. Alors là, on va voir si on va accélérer assez fort. Cent trois, 104. Voilà le passage à 100 là. Et là on est vachement haut par rapport à l'eau, c'est magnifique. Bon, on est caché derrière les arbres, mais c'est quand même franchement pas mal. Et là maintenant on va bientôt pouvoir réaccélérer. Voilà, on peut accélérer maintenant. Ce que je suis curieux de voir, c'est est-ce qu'il va y avoir du monde dans la gare où il n'y a pas vraiment de ville pour l'instant. Je suis curieux de voir. À 140, 146. 150, allez, c'est parti. La 26 000 lâche les chevaux. Ouais, mais pas pour longtemps. Obligé de re-ralentir parce que voilà, on arrive dans la ville. Il y a ce virage là à 120. Après, ça réaccélère à 140 et. Voilà, l'entrée là. Ah, c'est pas beau ça par contre. C'est dommage. Et là, on arrive dans la ville où il y a déjà du monde. Wow. C'est quoi cette. Je sens que ça, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va très bien fonctionner cette histoire. Enfin, je le sentais déjà à moitié quand je l'ai construit de la ligne, hein, donc avec la petite place de la gare là, j'adore. Voilà, on embarque du monde et c'est reparti. En vrai, ce qui serait bien aussi sur TPF, s'il pouvait y avoir une amélioration, ce serait que les signaux, au lieu de passer du rouge au vert quand on arrive, bah qu'ils soient déjà au vert quoi. Parce qu'en vrai, c'est ce qui se passe. Les signaux, ils sont au vert. Sauf s'il y a un train devant ou si voilà.
Mais sinon, normalement, les signaux passent au vert tout seul, quoi. Avant que t'arrives, quoi. Bien avant que t'arrives. Quand t'arrives, les signaux sont déjà au vert, quoi. Tu vois, là, genre, lui, il vient de passer au vert. Ça, c'est vu. Mais ça fait ça, c'est pas parce que... Là, c'est pas parce que c'est un mode, hein. Parce que même quand c'est pas un mode, ça le fait. Alors que là, on voit... Le... Une péniche sur le fleuve. Magnifique. Enfin, là, pour l'instant, sur le lac, mais ça se resserre, ça redevient le fleuve, la rivière. Hop, les voies pour le fret. Et là, accélération. Normalement, là, on a la limitation à 200. Normalement, là, c'est limité à 200. On va voir si on va dépasser les 160. À mon avis, la B6 est limitée à 160. Ouais, la B6 est limitée à 160, c'est sûr et certain. Alors, vous savez quoi, on va la changer tout de suite. Alors attends, pause. Ah, ce bruit. Ah, mais ce bruit. Vous avez entendu ce bruit? Vous avez entendu ce bruit? Le bruit des corails. Oh, mais c'est trop bon. Mais c'est tellement bon. Il y en a 7. Bon, on va mettre 8 du coup. Hein. On va tout changer. Une lock. Locomotive électrique. On va lui donner la possibilité d'accélérer, quoi. Et on va mettre du coup 8 wagons. Et on va pas mettre de... On va pas mettre de B6 du coup. Parce que la B6 elle est limitée à 160, je suis quasi sûr. On va regarder. Ouais, c'est à 160. Malheureusement, dommage. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 229 mètres. Remplacé. Voilà. Merde. Ah, je voulais aller rentrer en gare. Merde. Pour l'instant, il n'y a personne. Il y a du monde en face, mais il n'y a personne dans mon sens. Ce qui est assez logique parce qu'en vrai, en face, tu peux prendre le train pour la même destination, quoi. Donc, bon. Hop, c'est reparti. Alors qu'en face, on voit le train de bois qui est sur la ligne électrifiée qui est en face. Et là, on est reparti. On va voir si on peut atteindre les 200. Au moins un endroit sur la ligne, on va voir si on peut atteindre les 200. Bon, pour l'instant on est qu'à 109. Ouais, on est déjà en train de traverser. On est déjà en train d'arriver là. Ouais, non. Non, il y a le ralentissement là. Là on va avoir le ralentissement parce qu'on traverse le pont unique. Oh, c'est trop bien. Ah, oh, ça rend trop bien. Mais c'est trop beau. C'est trop bien. C'est juste excellent, quoi. Et là on arrive à la gare terminus. Ouais, franchement, c'est cool. Ah, l'arrivée, elle est pas mal, là. Ah ouais. Franchement, ça a de la gueule. Hop. Et est-ce qu'il y a déjà du monde qui attend en gare? Oui, un petit peu. Et bah, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Et là, avec 47 personnes, ça nous rapporte combien, déjà? Et après, on se quittera là-dessus, du coup. À 26 003. 1 million. D'accord. D'accord, si tu veux. Et voilà, et c'est reparti. Juste ce bruit. Ah, mais oui. Mais oui. Ah, j'entends ça, je dis oui direct. Ah, le bruit des corails derrière aussi.
Oh mais c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Alors pour l'instant, il y a personne qui vient toujours ça, il y a toujours personne qui vient s'installer là. Ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Bon, en fait, on va aller voir ensemble vite fait qu'est-ce que ça peut être le problème ici là. On a eu un ralentissement ici là. J'ai rien compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. 140, 200, ouais. Ok, ça se trouve, c'est... Ouais, non. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc, du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à la faire sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour gagner une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Alors, juste là, un petit peu. Ouais, bon, c'est en train de partir en vrai. Ciao.